Avec vous Jean-Marc Morandini. Et avec Willy qui nous rejoint en direct. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Rolia. Hello. Et bonjour à tous. Bonjour Willy. Et avant de parler du mentaliste, il y a un monsieur qui est en retard là-bas, c'est pas grave. Il a dû être bloqué par la neige. Avant de parler du mentaliste, vous vouliez vous excuser. Bah oui, justement. Tout d'abord Jean-Marc, je voudrais m'excuser pour mon absence d'hier. Hein. Il a neigé 4 cm à Paris. Autant vous dire que vu ma taille, j'étais totalement ensevelie. Des enfants m'ont même pris pour un bonhomme de neige. Hein. La carotte m'est restée de travers. Tant que c'est travers, ça va. Mais dès qu'il neige à Paris, c'est le chaos. Hein. Ils avaient même déployé des blindés. Oui, ils ont l'armée, tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait, les soldats? Ils auraient menacé les flocons. Remontez les flocons, vous attendez? Remontez! Avec les flocons tétanisés, oh là là, non, moi je tombe pas, hein. Je vais pas me faire buter, hein. je remonte. Non, mais les blindés, et si un jour les Allemands reviennent, qu'est-ce qu'ils vont déployer? Des chasse-neige? Arte, reculez, Schnell! Ils nous bombardent avec du sel! Bah oui, mais ça fait des années qu'ils nous disent que trop de sel, ça bouche les artères. Alors là, du coup, du sel, ils en mettent pas sur les artères, et c'est là que ça bouche! Ah, enfin, avec toute cette neige qui est tombée, ça prouve à quel point notre armée est dissuasive. Hein. C'est rassurant le jour où il y aura la guerre. N'empêche, j'ai une petite pensée pour tous les Parisiens qui ont dépensé 8 SMIC pour aller skier une semaine dans les Alpes. Au but de Chaumont, ils avaient tout pareil. Ouais. Oh, cette année, je suis allée à Courchevel, enfin, à Courche. Et toi, métro glaciaire, enfin, métro glace. En tout cas, neige, pluie, froid, voilà le cocktail idéal pour rester à la maison demain soir et regarder donc le dernier épisode du Mentaliste. Ah, il est beau le Mentaliste, il est beau Roulia. Ah, je l'adore. Il est beau, hein, t'as vu comme il est beau. Ouais, il est très beau. Enfin, c'est que du cinéma, hein, parce que quand on voit Pascal de Clermont... Ah ben, c'est déjà encore mieux. C'est sympa, ça. C'est vrai que niveau physique, c'est moins ça. Hein. Oh, non, mais être... Non, mais être mentaliste... Non, mais être mentaliste, je suis sûr que c'est le genre de job qui doit cartonner pour draguer. Hein. Plus que le mien, hein. Hé hey, les filles, je suis humoriste. Vous voyez, il se passe rien. Alors que... Hé hey, les filles, je suis mentaliste. Oh putain, c'est que des vieilles, c'est bon, non. Je plaisantais, je suis humoriste. Ça sent le vécu, ça. Ça sent le vécu. Non, mais ne crânez pas, Pascal de Clermont. Hein. Moi aussi, je suis mentaliste. Télépathe même. Très souvent, je devine la réponse de l'autre. Salut, ça te dirait de coucher avec moi? Attends, ne me dis rien. C'est non, c'est ça? Voilà. T'as vu, je suis très fort. Hein. Ça aussi, c'est du vécu. Ouais. N'empêche, Pascal de Clermont, je suis sûr que les gens ont peur de vous. Ils doivent se dire, oh là là, il lit en moi. Tout le monde doit flipper, même pour acheter un pain, tu sais. Une baguette. Ah, il n'y en a plus, monsieur. Menteuse, il y en a plein en bas. Ok, oui, j'avoue, pardon, j'avais la flemme de descendre. Enfin, vous faites un métier fascinant, Pascal de Clermont. Au passage, c'est très sympa de mettre dans votre nom l'endroit d'où vous venez. Ouais. Pascal de Clermont. Moi, j'aime m'appeler Willy de Boulogne, tiens. Alors, Pascal de Clermont, Jean-Marc du 16e et Roulia de sa banlieue. De Paris, Roulia, de Paris. Ouais, menteuse, se joignez à moi pour vous remercier. Oh mais. Attendez, c'est troublant, je sens ce que pense Jean-Marc du 16e. Oh, je l'entends d'ici. Oh. Abrège, Willy, j'ai de la pub, là. Ah oui, c'est étonnant. Alors, à jeudi. Merci beaucoup, Willy, qui est en direct avec nous et qui est sur scène au Théâtre du Temple du mercredi au samedi à 20h15 à partir du 12 janvier. Merci.